Coucou les amis, c'est Remoi. Enfin, je dis c'est Remoi parce que dans la vraie vie c'est Remoi. Sinon, vous n'allez pas le voir le même jour. Je vous fais une petite vidéo produit fini. Il me reste un quart d'heure quand je me dépêche. Je vais vous montrer 2-3 produits nourriture. Bah oui, c'est rigolo de parler de nourriture aussi. De ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Et là, en l'occurrence, j'adore. Ce sont des galettes. Sucré, hein, sympa. Blacha suecas. Ce sont des galettes suédoises avec l'accent espagnol. Pas mal. Hein. Voilà. C'est très très bon. Ce sont des galettes toutes fines. Donc, essentiellement à l'avoine. C'est très très bon. J'adore. C'est croustillant. C'est peu sucré au goût. Mais en revanche, ça doit être très sucré. En valeur nutritionnelle. Attendez, je me plonge en chose. Je ne vois rien. Ils devraient écrire plus petit dans ce qu'ils sont. Hein. Ouais, franchement. C'est-à-dire, comme Nicole, au début, prenez une loupe pour lire. Je crois que je vais faire comme ça. Elle ne fait plus. Peut-être qu'elle a changé de dieu. De yeux. Je fasse comme ça. On voit trop mes rides du bas là. Moche ça. Hein. Là, la fin de mois, vous avez parlé. Donc, il n'y a pas beaucoup de calories. Mais si elles sont de bonnes calories, c'est pas grave. Par petit gâteau, dont j'en ai plus bien sûr, il y a 35 calories, donc c'est rien. On est d'accord. Sur un total qui nous faut à peu près de 1400 calories, suivant effort, pas effort, vie tranquille comme la mienne, ou bien vie active. Hein. Bon, bref. À peu près 1400 calories, il faut une femme pour que ses organes soient correctement nourris. Oui, parce que c'est pas juste les bourrelets qui comptent, hein, je vous signale. C'est quand même aussi votre peau, votre cœur, vos poumons, vos reins, bref, vos organes soient. Oui, la peau est un organe, les enfants. Le plus gros organe du corps. C'est un organe, absolument. Oui, bon, bref. Donc il faut des bonnes calories pour. Nourrir son corps, pour avoir de l'énergie. Prenez une vieille bagnole, je parle de moi, c'est-à-dire une voiture, vous lui mettez de l'essence, quand même, pour qu'elle avance. Même si elle est vieille, si elle est vieille, vous faites plus encore attention. Bref, plus encore attention. Encore plus attention. Bon, je ne pas de sucre, ah si. Par biscuit, il y a 2,9 grammes. C'est beaucoup, étant donné que le biscuit fait 7,14 grammes. Donc en vrai c'est sucré, mais c'est très très bon. La fille qui connaît rien, voilà, c'est très très bon. Donc galette, marcochon, hein, oui. C'est délicieux, quand vous mangez le CG, bon c'est sucré, même moi je trouve que c'est trop sucré. Bon, même moi je veux dire, non, surtout moi, qui n'aime pas trop le sucré. Par contre, donnez-moi un saucisson, je vous le défonce. Attendez, ensuite, ah ouais, j'ai fait tiens, je vous en parle, parce que j'ai mis la dent. J'ai fait un truc là, il est encore à côté de moi. Pendant que l'autre vidéo chargeait, je dis, je vais regarder un vieil agenda. J'ai supprimé tout ce qui... Faites le tri dans votre agenda, tiens. Non, pas dans votre agenda. Dans votre... Si, agenda téléphonique. Là, vous mettez vos numéros de téléphone. J'ai trouvé des trucs, je ne sais même pas qui c'est. Je ne me souviens plus. Bon, alors, le directeur de l'école et l'enfant, il y a 10 ans. C'est rigolo, donc j'ai déchiré tout et j'ai fait le tri. J'ai retrouvé des numéros d'amis que je vais appeler. Ouais, non, pas d'amis, mais ouais, ils m'ont appelé déjà. Donc voilà, mais ça, c'est intéressant. Faites le tri de votre agenda téléphonique, c'est super. Pour trouver des numéros, disons, mais je l'avais pas. Ah, ben, disons, je l'avais. Est-ce qu'il est dans mon téléphone? Ah, ben oui. Est-ce qu'il est dans mon téléphone? Ah, ben non. J'ai retrouvé le numéro de mon médecin de famille qui est mort depuis à peu près 10 ans. De famille, d'enfance, hein. C'est rigolo quand même. Qui a été le témoin du mariage de ma petite soeur. Parce que papa était décédé. Enfin, par exemple. Du coup, ça remue certains souvenirs. C'est pas grave. Alors, j'ai eu, par une amie, ce masque lèvres rose de chez Sephora, hydratant adoucissant. Alors, à savoir que c'est un masque papier, la forme des lèvres. Il n'a jamais tenu sur mes lèvres. Donc, j'ai jeté le petit bout de papier, j'ai gardé ça au frigo. Et je m'en suis mis tous les soirs, un petit peu.
ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parce que comme je dis dans une autre vidéo, je fume la cigarette électronique de façon assez exagérée. Donc, je crée plein de petites rides autour de mes lèvres qui sont dues donc forcément à la vapeur de la cigarette électronique. Peu importe. Mais bon, là, mes lèvres me brûlent. J'ai mis un... J'ai peut-être pas mis non plus le rouge à lèvres qui valait. Donc là, ça me brûle énormément. Moi, j'en ai plus. Sinon, mais ça avait pris au frigo. Et tous les soirs, après le démaquillage, pose mes crèmes, je prenais mon doigt, j'allais chercher au fond le sérum qu'il y avait, puisque le masque indique le sérum, et je mettais sur mes lèvres. Ça m'apaisait vraiment. C'est un conseil d'utilisation. Voilà. Je ne gâche rien, vous le savez. Ensuite, dans le premier film. Hop là, on a encore des papiers, des petits post-it qui tombent. Je ne sais plus. Si je l'ai jeté, c'est pas grave. Mais c'est bon en bouche. Délicieux, bah, c'est calorique. On s'en fout. De temps en temps, ça fait du bien. Ah bah oui. Mais vu dans les favoris, vous verrez pas ce que c'est. Ce sont des biscuits Milka. Absolument délicieux. Emballés. D'écologie, je le fais. Emballés individuellement, ce sont, voilà, vous voyez, regardez quand c'est beau ça. Ça croustille quand vous le mangez. C'est absolument délicieux. Vous en mangez un, vous en mangez. C'est très, très bon. Ça s'appelle comment, tiens? Des chocos suprêmes. Milka, je trouve que c'est le meilleur chocolat. Enfin, c'est ce que je préfère en chocolat. Le bon vieux Milka. Et la marmotte, mes chocolats dans le papier d'alu. Ah, ça, je trouve que c'est merveilleux. Excusez-moi, ça tombe, ça m'énerve. Ensuite, nous avons terminé. Là, on passe un peu, quand même un peu, au maquillage et tout. Non, ou cosmétique. Ça vous intéresse plus? Pas plus que ça. Allez, on s'en fout. Donc, une laque. Celle qu'on prend régulièrement. Sauf là, la dernière qu'on a pris, celle-là. J'ai repris le plus petit prix au champ. Ça ne tient rien. Alors, je suis coiffée. On dirait que j'ai reçu un steak saignant sur la tête. Bref, donc celle-là est pas mal. Sayos Saint-Algue. Saint-Algue Sayos. Volume Effect. En très forte. Elle est très très bien celle-ci. Elle n'est pas trop chère. Elle est vraiment bien. Ouais, je vous la conseille. Bah non, elle n'est pas très chère. Je me répète un peu. Plus pas un poubelle. Ouais, est-ce que je vais direct un poubelle? Ensuite. Il fait encore du bruit, mais il marche plus. C'est un glaze à la vanille. Le truc, vous savez, vous mettez dans les toilettes où vous voulez. Le problème, c'est ça. Vous voyez, encore, il n'y a plus de gaz. À moins que. Non, vous voyez. J'ai vraiment une phalasse. Il n'y a plus de gaz. Donc, je ne conseille pas ces trucs, on arrive jamais où. En plus, la vanille, dans les chutes, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'utilise des fins de parfum dans les toilettes. C'est tellement plus gai. Donc, tellement plus gai. C'est ce que disent, je ne sais pas si vous avez fait attention, les Belges. C'est tellement plus agréable, tellement plus rigolo. Ils disent c'est gai. Quand c'est drôle. Oh, c'est gai. Bref. Je jette ces choses que j'ai achetées par erreur, pensant que tu étais un dissolvant. Or, c'est un soin miraculeux. Je suis morte de rire. Une seconde par ongle de chez Bourjois, soi-disant ça traite les cuticules. Je vous déconseille, ça sert à rien. Vous trempez le doigt, vous avez du gras autour, prenez l'huile d'olive, ça va vrai. Et une seconde, c'est pas vrai. Hein. Donc non, là encore, enfin il y en a encore, je jette. Je vous déconseille, ne prenez pas cette chose qui coûte cher en plus, je crois. Moi je me suis trompé, je croyais que c'était du dissolvant. À force de faire les courses rapidement, on fait n'importe quoi. Donc je vous déconseille. Quand j'ai bientôt fini. Oh, comment ça, c'est trop intéressant. Des cotons. J'en utilise très très peu. J'en utilise pour me démaquiller les yeux uniquement. Les ongles dans les trucs comme ça. Débarbouillage, nettoyage de la peau, c'est avec les mains. Les yeux, j'essaie de temps en temps, quand je suis un peu maquillée, comme ici, de prendre un coton quand même. Donc, je prends les cotons n'importe lesquels. Là, j'en ai plus ce soir, donc je prendrai un Kleenex que je imbiberai bien. Je ferai attention de ne pas trop appuyer. Je pose et c'est pareil.
Donc cette tenaille, je sais pas qui, parce que c'est. Oui, non, j'en sais rien, c'est du coton. Finalement, mieux vaut acheter le bon vieux coton qu'on avait avant, ça est là. Hein. Le paquet de coton, c'est aussi bien. On se tâche un peu. Bon, oui, ça fait des fibres. Et alors, c'est mieux, c'est ce que je vais faire. Ensuite, attendez, encore des petites merdouilles. Ça, je vous l'avais présenté quand je l'ai acheté. La crème main Leno. Bof. C'est pas terrible. Ça pénètre très facilement. Pas très hydratant. Non, je ne conseille pas du tout. Bon, ça fait une crème qu'on met tous les jours, quoi, d'entretien. Mais pas une crème spéciale. C'est une crème d'entretien. Voilà, donc je ne vous conseille pas. Ça dépend de l'état de vos mains. Je jette un crayon. Attendez, je sais plus ce que c'est encore à lèvres. C'est un peu de clémentine sur le doigt. Attendez, ouais, un crayon. J'avais déjà jeté un autre. Un Woomark. Je l'ai acheté à la pharmacie. Un crayon à lèvres, soi-disant. Ça, c'est rigolo quand même. Le crayon magique. Sauf que c'est à tailler et qui ne se taille pas. J'arrive pas à le tailler. C'est pas du bois, c'est une espèce de truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est intaillable, donc c'est de la merde. Bon, c'est pas très connu, Walmart. Je suis désolé hein, pour Walmart, mais bon, franchement, non. Tu vois, Walmart, n'importe quoi. Wobake. Wobake. Paris, numéro 1 mondial. Ah ouais? Bon, c'est de la merde. Bah, ça colle. J'ai trop mal au dos, les filles. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais prendre le petit sac Mario, l'euro. Il n'y a pas de vide. Il ne reste pas grand chose, heureusement. J'en ai un bol. Deux petits trucs comme ça de parfum. Je ne m'en souviens pas. C'est la mise en entrée. Ça tombe bon quand on entre. Tailly d'Hermès. Twilly d'Hermès. En plus, on a des trucs bizarres. J'en sais rien. Attendez, j'ai fait tomber un truc. Oh putain, purée. Désolée de parler mal, mais. Aura de Mugler. J'aime pas ces trucs, j'arrive jamais à. Vous savez, sortir l'espèce de petite pompe là. Chaque fois, je rends la chérie. Commentaire. Je jette un vernis qui a l'air comme ça vachement bien, mais qui n'est pas. Un Nocibé. Je vous conseille pas les vernis Nocibé. Ils sont souvent en promo de acheter un offert. Je suis déçue à chaque fois. C'est la couleur. Donc c'est vernis brillant éclat, divine sirène. Un très beau bleu en l'occurrence, mais il est tout sec. Il est pas sec, il est pâteux. Ouais, il est pas. Oh quoi que, je sais pas, maintenant j'ai mis dans mon truc. C'est séparé, vous savez. Puis maintenant j'ai mis dans mon truc. Il me paraît pas si mal. Mais je vous conseille, en l'occurrence, pas les vernis Nocibé. Non, ils sont pas terribles. Peut-être le garder pour réessayer, mais je vous les conseille pas. Ils se séparent très vite, vous voyez. Donc, non. Ensuite, nous avons un bout de papier en plastique qu'on jette. Mais là, il y a un truc dont je voulais vous parler qui est vraiment bien. D'abord, oh, le petit ruban. Moi, je les garde en général. Là, je jette, hein, je vous en avais parlé de celui-là quand je l'avais acheté, un vernis Peggy Sage Quick Dry. En couleur, je trouvais ça joli. Puis je vais dans mon sens, c'est mieux. Emily. Quand j'ai réveillé chérie, aïe aïe aïe. Lavande. Très clair, mais non, vous n'arrivez pas à l'étaler sur l'ongle. Il n'est pas assez opaque. Donc non, je le jette. J'arrive à rien en faire. Pourtant plein. Mais je le jette, je n'ai pas donné. C'est con. Hein. Les trucs de merde, ça sert à quoi? Alors ça, par contre, je vais vous en parler. Enfin. C'est une crème douce exfoliante pour le visage de Valsena Paris. C'est super bien pour faire un gommage visage. C'est tout. Les petits grains sont minuscules. C'est génial. Et après, vous rincez, vous avez la peau ultra douce. C'est vraiment bien. Je ne connaissais pas. Je vais peut-être regarder un peu ce que combien ça coûte cette chose.
Natural cream. Non, pas du tout. Natural rose absolute. Yeah. C'est vraiment bien. C'est des grains très très fins. Mon avis, bon, je crois qu'il conseille de... Allez lire ce qu'il écrit, hein. Allez, dites-moi. Il conseille 2 fois par semaine. Je sais pas le dire, je vois pas. Je sais pas. Bref, un échantillon qu'il a mis envoyé. Mais vraiment, c'est un très très bon produit. Je dirais un exfoliant, pas journalier, mais régulier. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Vous voyez pas? Oui. Non, c'est un... En plus, c'est délicat, c'est agréable à mettre. Parce que c'est, ça hydrate en même temps. J'ai l'impression que quand vous mettez, votre peau vous dit merci. Voilà, bon, dis pas qu'elle devient poète. Voilà. Bon, bah, c'est tout, les gars. Maintenant, je vais ranger la poubelle, le sac vide. J'attends que chérie se lève. Maintenant, il faut que j'aille le réveiller. Il me reste 5 minutes. Bon, mettez en ligne. Je sais pas quand vous l'aurez. Vous verrez bien. Je vous aime, je vous adore. À bientôt. N'hésitez pas à me donner des idées. Bon, il y en a plein, mais c'est des trucs à développer qui sont lourds. Oh, grosse pinche, c'est horrible. Comment elles font les filles, première jour, élégantes et intelligentes. Intelligentes, non mais, élégantes. C'est bien ça, c'est ridicule, c'est pas moi. Bon, je change un peu le cadre là, vous voyez pas. Bon, en même temps, c'est Saint-Trope. Hein. Bon, allez, salut, je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous, les gars, les filles, les gars, les filles. Je vous trouve rien, ça m'aide. Ouais, des pouces en l'air. En fait, c'est pas, j'ai envie d'être un peu reconnue. C'est une estime de soi qui me manque. De moi. Estime de soi, c'est un mot. Une allocution. Bon, on s'en fout. Ça m'aide beaucoup dans ma vie en ce moment. J'ai besoin de respiration. Vous voyez, j'arrête de bouger sur ma... Bon, allez, je vous aime.